Ah, ça annonce du beau. Ah, juste ça annonce du beau. Ah, en plus, c'est vrai. Ah, on joue Enter. Ah, je suis la joie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alucine. Bienvenue dans la suite de votre feuilleton policier. A Phoenix Wright et sa Trinity Rose in Tribulation. La dernière fois, le doute, le mystère, l'incompréhension. Une personne est revenue dans la vie de Phoenix Wright. Aka dans la version originale selon l'animé Naruo Doryuji. Je le prononce très très mal. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment? Phoenix est-il décédé? Nous allons le savoir maintenant. PS, on joue Benjamin Hunter. Et ça, c'est cool. Un jet privé, ça coûte du fric, mais pour Benjamin Hunter, ce n'est rien. Ouais, donc plein de gens. Ah oui. Évidemment, le script nous a demandé d'aller venir voir Phoenix. Petit résumé, une personne est morte. On l'a découvert. Cette personne-là est une personne que je ne voulais plus voir. Et genre vite, on a notre portrait. C'est beau, on est magnifique. Nous sommes tombés. Et donc, on n'est pas mort. C'est déjà ça. On n'est pas mort. On n'est pas décédé. Et pour une fois, Paul, et c'est vrai, pour une fois, Paul n'est pas le suspect principal de la police. Ça ne rigole pas. Les objets? Ah oui, les objets. Le Psycho Power. Magnifique objet. Le Magatana. Et là, j'ai pas compris. Là, je ne vois pas. Là, je ne comprends pas. J'essaye de mettre dans la... Alors, jusque-là, j'étais dans la peau de Phoenix Wright. Je me mets dans la peau de Benjamin Hunter. Représenter quelqu'un à la défense. Oui, Paul, c'est bien. Tu connais mon métier. Mon métier est celui d'avocat de l'accusation. Le procureur. Procureur, voilà. J'ai pas que ça à foutre. Qui accuse. Accuse, j'accuse les gens. Ceci est totalement vrai. Et j'avoue quand même, je suis toujours. Imaginons en vrai, ça se passe comme ça, un simple carton qui ressemble vite fait à un truc officiel, si ça marche. On n'est pas dans la merde avec le système judiciaire. Vraiment. Je suis Hunt. Quoi? Qui s'y arrête d'être sérieuse? Il est. Mais non, Paul, il exagère. Laurent s'exagère, évidemment. Oui, il va bien, évidemment. Enfin, je crois, il me semble. Enfin, il était conscient quand je suis allé le voir. Pourquoi tu rougis? Je ne comprends plus rien. Que se passe-t-il? On est complètement d'accord là-dessus. On est complètement d'accord là-dessus. Même si Benjamin... Attends, non, comment? Non, je n'ai pas d'accord. Comment Benjamin peut l'avoir rencontré? Dans les journaux, sans doute. Hein. La musique triste. La musique du mystère. Celle qui met tout en doute. On dirait presque une musique classique d'un auteur connu que je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Nous allons devoir discuter. On se connaît, je crois, il me semble, peut-être. Thank you.
Donc, j'ai, selon ce qu'elle vient de dire, j'ai potentiellement raison sur sa vraie identité. Potentiellement. Que s'est-il passé la nuit du crime? C'est pas jamais une torche grisée. C'est beau. Ah, jamais en plus il pointe du doigt. Oh. Sonner une cloche. Ouais. Ensuite. Mais. Et pourquoi? Et pourquoi donc? Pourquoi tu désobéis? Tu avais peur? Tu avais peur? Tu t'es effrayé? Je suis toujours dans la peau de Major Hunter. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vois des cadenas! Alors, je vais pas te dire une connerie, mais en fait, petite parenthèse. Ces cadenas me font beaucoup penser, par rapport à l'esthétique, au stand The Lock dans Jojo l'arc 4. Ça me fait beaucoup penser à ça, la barre surtout, la barre du haut. Après, je dis peut-être de la merde. Comment je vois des cadenas? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vois des chaînes! C'est dans ça de parler de blaireau. Ce sont des verrous psychiques. Moi, je peux rien faire parce que je... Là, déjà, je vous le dis, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas ce qu'il faut. D'office. Je vous le dis d'office, hein. Comme ça, le problème, il est réglé. Alors... Oui, donc oui, les pouvoirs spirituels, bien sûr. Ouais, je suis pas convaincu. Non, ah, voilà. As-tu assassiné cette personne? Ok. Elle dit la vérité. Il y a intérêt. On dirait que les sujets de discussion fournis par le jeu pour le moment sont épuisés. Je vais devoir partir. Zut. Ouais, je vous l'ai dit, il y a 10 minutes, ça, au moins, je crois. Ouais, je vais devoir te représenter. C'est la merde pour moi, pour ma carrière, tout ça, je vais devoir démissionner. Je suis tristesse, tu vois. Est-ce que tu connais au moins? Est-ce que tu le connais, il me semble? Parce que il avait pas l'air sûr de toi. Son pote. Comment dire? On s'est battu plein de fois. On a eu des quiproquos quand on était gamin. Ouais, je le connais bien. Je suis pas un peu son pote, tu vois. Trahi. Des révélations. Trop de révélations. Va le voir. Ah bah non, tu peux pas être en prison. C'est dommage. C'est la base dans le jargon.
Pendant 2 secondes, j'ai cru que ça allait ralentir. C'est horrible cette impression. Bien, je pense avoir réuni assez d'informations. Ce fondu au noir. Allô la musique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est un thème exclusif? D'accord. Ce fondu au noir était inutile. Franchement. Alors je me barrais. Au pont suspendu qui a le... Ah bah il... Ah, il y a plus trop de planches. Le pont du néant. Oui, qui me parle? Salut Billy! Toi! Ah non. Ah ah. Pourquoi en fait? Ouais. Cool. Trop bien. Le procureur Mugodo. Donc même Benjamin Tan ne le connaît pas. Qui est-ce Kodo? D'abord, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il boit du café? Raconte-moi ce que je t'ai demandé. Un témoin. Allez, pouf, direct. Toi? Ah bon? Qui si? Quoi? Dans les montagnes? Mais comment se peut-ce? Ah, il a fait la blague nulle. C'est une femme en bikini. Ah ah, la blague nulle. Donc, le pont du néant. Fondu au noir qui a tout ralenti. Ah ah, lol, c'est drôle. Ah, comment ça? Que c'est quoi? Ouais, j'y pense bien. Ah ouais, encore elle, ça va faire. Une. Deux. Ça doit faire la quatrième fois qu'elle est impliquée dans une affaire. Au moins. Eh bah putain. La foudre. Bon, qui est Kodo? C'est qui ce Kodo? Mais non, c'est Alonso. Je sais plus comment il s'appelle là, celui qui a des Mia il y a 4 ans. Non, mais ça, il a bu du café. Il boit du café. Le café, c'est bon. Mimi, c'est bon, une tasse de café, toujours lorsque vous regardez Kodo. Alors, le petit bruit que vous avez entendu, c'était le Windows. J'ai oublié d'enlever les sons système. Qui vous savez? Moi? Tu peux dire son nom en fait. Moi j'aimerais comprendre en fait pourquoi. Non, c'est rien. Mais sur ce Godo, je suis sûr que du café pour amener la foudre, donc la foudre en train de me dire que sans les milliards de chances où la foudre peut tomber, c'était sur le pont. D'accord. Attendez.
Qu'est-ce que je fous avec des preuves pareilles? Alors là, cohérence scénaristique dans ton cul. Voilà, normalement. Alors, ça, on me laisse à donner. Ça. Et ça. Voilà, ces 5 objets, techniquement, ça aurait dû être mentionné quelque part que je les ai. Ou alors ça a été mentionné au début. Mais normalement, moi, j'ai juste lu, il m'a donné 2 objets. Juste ces deux-là. Le reste, c'est scénariste, scénario dans ton cul, je les ai direct. J'ai pas compris. Moi, je vais pas comprendre. Ah LOL. Je rigole, putain, Tech Team. Alors. Ok. Beaucoup trop de précision. Donc parle-moi de Godot. Le café. Ça c'était un portable. J'oublie toujours des trucs, hein, ne vous en faites pas. Professionnalisme avant tout. Une tasse de café allemand. D'ailleurs, depuis que je fais ça, je bois toujours une tasse de café avant. Parce que n'oublions pas, le café, c'est cool. Non. Pas toi. Non, pas toi. Wait, attendez une seconde, j'ai vu un truc nul. Non. Attendez. Ah non, ah, je vous là, j'avais cru autre chose. Bon, et eh ben on va se déplacer. On va aller au portail principal. Je vais d'abord examiner. Un téléphone. D'accord, attends-toi. Ah ben là, il est encore là. Et là, il y a un panneau. Ah, lol. Là, il y a des planches en bois. Mais tu parles. Il a pas de chance, il a juste les esprits avec lui. Pourquoi il y a un motoneige devant? Lol. Lol. C'est un peu long, mais ça pète la classe quand on y pense. Deux ans. Ouais.
Alors dis-moi, c'est qui? C'est Iris. Parce que... Ça me rappelle quelqu'un. Mais oui, c'est toi. Waouh! Alors plus philosophique que ça, on peut pas. Tu t'éloignes du crime. Ouais. D'accord. Mon dieu, lui aussi, non, il y en a au moins 3. Ok, bon bah c'est chiant. Bon bah ça va être très chiant. Ça va être extrêmement chiant. Bon, décale-toi. Oh non. Une invention. Ouais, ça s'appelle des chaînes à neige. Bon, et donc là-bas, c'est le grand hall. Oh mon dieu, oh là là. Impressionnant. Waouh. Vite! Allons parler à la mère supérieure. Dépêchons-nous! C'était sur la table ça avant? C'est toi! Je suis Hunter! Comment ça, garçon? Oh. Ce Hunter est le premier degré. Hunter, le premier degré. Elle est en prison. Enfin, je crois. Je veux que tu dises ce que tu sais. D'abord, c'est quoi ce petit truc? Là. Non. Là. Là. Un hôtel, d'accord. Calme-toi. Et donc, l'âge du crime. Oui. Oui. Quelle heure était-il? Est-ce qu'il était tard? Ou est-ce qu'il était grenouille? Blague facile. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ah ah, c'est une très bonne question, je n'y avais pas pensé. Thank you.
Je sens que je dois me taper 3 verrous psychés. 3 ? Ça va être trop cool. On est marre. Ok. Tranquille. Cependant. Oh, tiens donc. Ah oui, encore plus de discussions. Alors pourquoi tu reviens nu? Pourquoi tu es revenu alors que tu es quand même une personne importante? D'accord. Donc la disciple, parlons-en. Quel était le nom de la disciple de son premier temple? Oui. D'accord. Oui, c'est un cours spécial, voilà. Ah bon? Ah, génial, c'est quoi? Ah non, c'est ça. Cousine. Moi, je suis trop fort. Ah, c'est là, c'est génial. Que je peux mourir. Oh, il y a une cour. Trop bien. Oui, une nouvelle zone. Alors, est-ce qu'il y a une luge du sang, des pas, un truc, il y a plein de choses, il y a trop de choses. Même. Tu crois que j'ai le choix? Tu crois que j'ai le choix? Franchement. Ah mais casse-toi, merde! Bon, bah parle-moi ensuite, j'examine des trucs. Oui, ça on sait. Ça, je pense que c'est normal. Super, passe-moi le rapport d'autopsie. Un sichicito. Ah oui, quoi donc? C'est rare.
Ça, c'est intéressant. La caisse était le passail. J'attends un coup d'œil sur le plan. Vite, il faut la bonne musique avant. Pour l'instant, ils sont allés là-bas. Ils ont traversé un truc, puis ils ont tourné à gauche, puis à droite. Ils ont traversé le pont. Ils sont entrés dans ce bâtiment moche. Bah ben non, elle est pas allée au temple intérieur. Elle dit qu'elle a fait demi-tour. Bah ben non, mais non, je comprends plus rien, merde. Le Deoxim a été tué. Elle a vu le meurtre, le meurtrier et le meurtrier. Et le meurtri, voilà. Et donc le procès de demain, qui est ce Godot? Bah Godot. Hein? Comme quoi? Comment cela? Oui, je sais. Ah bah sur le voilà. De juge, celui qui a une énorme barbe et qui est chauve. Là tu m'étonnes. Donc ce temple intérieur, quoi donc que c'est? Ouais. Évidemment, hein. Ça aurait été trop facile. Bon, tout ce que je voulais maintenant, on va examiner. Dégage de là. Il y a des skis et une luge. C'est trop cool la luge. Elle est déjà brisée en mille morceaux. Enterrée, puis déterrée, puis re-enterrée. Le monde est une pute, Benjamin. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? Il y a une échelle là, ici. Non, gauche, droite, droite. En fait, moi, je... Et donc là, cette statue de Amifei, c'est bon. Je connais le nom. Un Sichicito. Comme la pétard en disant ce que c'est. Très bien. Prenons une photo et amenons-la. Ah, ça alors, des empreintes digitales? Mais de qui? Oh là là, je ne le savais pas. On est trop dans la merde. Ah bah ouais mon gars. Ah ouais. Ah bah... voilà, qu'est-ce que je te dis. Et là, donc là, il y a du sang, et là, il y a de la neige, et là, il y a des trucs, et là, il y a un truc. C'était drôle. Et donc là, il y a quelque chose. Il va falloir que j'y aille. Il va falloir que j'y aille.
peux pas y aller. Ah, il se passe quelque chose. Dois-je en déduire que c'est Paul qui est le premier à passer à la casserole? Je me balade, je me balade. Je l'ai trouvé. Ah non. C'est drôle. Ah ah là, ah, ça donne envie hein, ça donne envie hein. Allez merde, bon tant pis. Bon, elle en repassera plus tard. Je me promène. Papa, qu'est-ce que la vie est intéressante. Examinons un petit peu. Tiens, regardons cette porte. Comment ça, y a rien. Mais si, y a une superbe porte. Non, c'est là que tu... Ah mais évidemment, la cloche. La cloche. Parce que ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est pas le français. C'est pas le français du tout, mon gars. Je me déplace. Oh là là, je vais aller dans le grand hall. Bon, je pense que si je discute avec toi, tu ne me diras rien. Je vais donc faire quelque chose. Je vois quelque chose. Je l'ai vu. J'ai vu le papier. C'est une lettre froissée. Et yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Ce truc. Quoi, ce truc? Bien sûr. Alors, allons la lire. Ce soir, 22h, vous le divin, si vous voulez garder votre secret. Bon, bah, c'est Iris qui passe en premier. Tant pis. Parce que... on s'en fout. Non, c'était un indice important. Vite, allons dans le dossier de l'affaire le lire. Salutations ici. Il faut que je vous dise que... Alors, le salutation ici. D'une classe. Oh, une classe. Magnifique. Et donc, j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais donc me déplacer au centre de détention. Parce que le jeu, il a envie que j'y aille. Hein, le jeu, tu as envie que j'y aille. En plus, regarde. Ah bah non. Non, il a pas voulu. T'es calme. Je vais donc devoir te présenter des choses à toi. Eh, est-ce que tu pourrais regarder ce voile? Faut que je le mette. Oh, tu peux pas. J'ai pas envie, surtout. Je vous déteste tous. Je déteste tous. J'ai un sachicito dégueulasse.
Ah ah, oh, il y a quelque chose. Ah ah, tu n'étais pas au courant et je te bloquais un sujet de discussion. Fuck, même pas. Oh, je suis déçu, tu vois. Tu me déçois. Bon, alors évidemment, ça ne sert à rien. Voici un bulletin météo. On s'en fout. Le profil. Non. C'était pas le bon bouton, lol. J'y arriverai jamais en fait avec mes boutons. Voilà, on y arrive. As-tu vu Iris? Non, c'est ce que tu dis. Tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Il y a un mensonge. 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 Je suis pas d'accord. Est-ce que je débloque un sujet de discussion? Est-ce que enfin je peux retourner? Je veux retourner. Est-ce qu'enfin j'ai tout ce qu'il faut pour retourner au centre de détention et ainsi obtenir la suite de l'histoire? Et la réponse est non. Ça aurait été trop simple, évidemment. Il faut donc que je lui fasse montrer tout ce que j'ai. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis remonté? Les intenses phases de tracking. Parce que marcher, c'est trop cool. Je vais tout montrer parce que c'est comme ça que ça marche hein, dans les Phoenix Wright. Non, justement non. C'était quoi? D'accord. Je ne sais pas. Ah bon? Eh ben, c'était Maya. C'est un vrai... Oui! Non, mais c'est... Non, en fait, c'est un... Non, mais je te jure, c'est pas moi. On l'a mis dans ma poche. Je te jure, on l'a mis dans ma poche. Bon, c'est bon, je t'ai montré tout le... Je t'ai tout montré. Attends, à moins que, il faut que je reparle de la disciple. J'espère que c'est pas ça. Oui, c'est en serre. Donc c'est pas ça. On va continuer de présenter des personnes. Genre ce elle. Pourquoi j'ai fait B? Cet épisode très long parce que je ne sais pas utiliser des touches. L'amusement.
Franchement, oh, je sais pas. Eh oui, évidemment, hein. Si t'es pas un fail, bah t'es une merde. Oui, je sais. Tu connais pas Godot. Suis-je débile? Tu ne l'as jamais vu. Ah. Ah, c'est tendu ça, par contre. C'est méchant. Alors, techniquement, il n'a pas sauté, il a couru et c'est le pont qui est tombé. Oh, t'es chiant. Bon, là, j'ai toutes les discussions de fait. Je t'ai montré tout ce que j'avais. Ah mais je t'ai tout montré, de rapport d'autopsie au sachet sitôt. Je t'ai montré ça. Je te l'ai montré. J'ai tout montré. Je réfléchis. Je crois que je suis coincé. Oh putain, la baguette! Quel trou du cul, je l'ai pas vu la baguette! M'intéresse pas, mec. J'ai remarqué que la boule violette, par contre, n'est plus dans le bâton. Il manque quelque chose. Bon, j'ai le bâton. Il fallait avoir l'œil. Bon, là il y a le sang, là il y a la luge de ski. Vais me déplacer parce que je crois que j'ai tout, c'est bon. Attends, je vais quand même lui présenter le bâton. Hein, le bâton. Même pas. Alors, est-ce que j'ai tout? Est-ce que je peux avancer? Ce serait bien. Vraiment. Genre, vraiment avancer. Oui! Enfin, j'ai tout. C'était le bâton. Ok, donc, je vais m'occuper de toi. Non!
c'est parti pour le premier combat psychique de Hunter. Ça va être cool. Les doublages sont là. J'ai été chargé de l'affaire et c'est à moi de retrouver des réponses. Vous comprenez? Oui, monsieur. La plus petite flamme peut parfois réveiller une affaire La plus petite flamme peut parfois révéler une affaire sous un jour nouveau. Je ne compte plus le nombre de fois où cela s'est produit. Sous mes yeux, au tribunal. C'est pourquoi je continuerai de chercher jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Pour la dernière fois, êtes-vous sûr de ne pas être allé au temple hier soir? Oui, je vous le jure, je vous l'étais, je dis. Oui, vous avez dit ne pas y être allé parce que vous aviez peur. C'est exact. Si vous dites la vérité, la question qui s'impose est, de quoi aviez-vous peur? Iris, je me disais, c'est ça qui vous effraie au point de vous faire rester dans votre chambre, n'est-ce pas? J'ai trouvé cette lettre dans le grand hall. Elle vous est adressée. Ah, c'est... Eh bien, Iris, Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous aviez peur du maître chanteur qui vous envoyait cette lettre, pas vrai? Non. Est-ce que la preuve ou l'un pour ce pouvoir de mon regard qui a brisé ce verrou? Bah, j'imagine que ça n'a pas grande importance. Mais, monsieur Hunter... Oui? Moi, je pensais que cette lettre venait de quelqu'un qui voulait me faire une farce. Une farce? Eh bien... Oui. Après tout, même si j'ai un secret, rien ne dit que c'est un secret qui pourrait me faire du mal. Je me le demande. Sœur Bikini est comme une mère pour moi. Jamais je ne cacherai quoi que ce soit. En temps normal, vous n'avez peut-être rien à cacher. Toutefois, la soirée d'hier faisait indéniablement exception à la règle. Malheureusement, je ne connais pas encore la nature exacte de votre secret. Néanmoins, quoi qu'il en soit, vous tenez absolument à ce qu'une certaine personne n'en sache rien. Et cette personne, c'était... Phoenix Wright. Phoenix Wright. Non. Phoenix Wright a l'air de se soucier de vous. Et je le vois que vous l'estimiez beaucoup aussi. C'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'il apprenne votre sombre secret. Eh bien, qu'avez-vous à dire à ça? J'aurais dû m'en douter. Surtout de la part d'un de ses amis. Zbla! C'était vraiment très difficile. Oui. C'est quoi le hall divin? Dis-moi! D'accord. Une cabane? Ouais. Où se trouve-t-elle sur les cartes? D'accord, il faut que j'aille là-bas d'ailleurs. Ah, ok. Oui, effectivement, ça fait peur. C'est donc ça le secret. Je crois que je vais devoir aller jeter un coup d'œil sur Al Divan. Oh là là, ça a l'air tellement trop bien. C'est la vérité vraie de vérité véritable. Je vais gagner. Oula. Oula. Hunter, pourquoi tu as dit ça? En fait, elle était pas rousse, elle était... Non, elle avait les cheveux noirs. C'était le secret. Oh putain, je vais te défoncer ta gueule. Oh, j'en ai marre. Elle a témoigné très clairement de ce qui s'est passé. Elle a affirmé qu'elle t'a vu décapiter. Enfin, elle t'a vu transpercer le corps de Elise. Et c'est pas tout. Tu étais présent. Et ouais, mon gars. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? T'es paysaille?
Ah bah alors là, on a un problème. Ok, on a un problème. Très bien. On a un gros gros problème, les mecs. Parce que d'un côté, elle ment et de l'autre, elle ment pas. Paul. Il y a quelqu'un. C'est Paul. Seul. Ok. Hey, freeze, motherfucker! Ok Paul, là j'étais cool, là tu vois j'étais cool, hein. Je vais te parler, et après je défonce tes cadenas. Je crois qu'il peint. Donc, Iris, tu vas m'aider? Non, tu vas m'aider, Paul. Arrête de parler. J'ai rien pour me faire un facepalm. Si je fais ma main, mon micro va frapper dedans. Non, ses yeux me disent j'ai un truc à dire à Nick et puis voilà. Je sais pas. Donc je vais la refaire, Paul. Ah bon. De me laver et en baillant sur le micro parce qu'il est tard. Non. Waouh. T'as vu un truc incroyable. Et tes verrous sont encore là. Non. Alors cependant, je vais quand même examiner ta piole. Alors, un bois, des trucs, des machins, des tableaux. Oui, la passion. Donc ça c'est un lac. Et bah ouais, il serait sans doute mort. Il serait sans doute décédé. Et là il y a un chemin et de la poterie. Non, ça je vais te demander. Là il y a du petit bois. Là il y a une forêt. Thank you.
Bon, allez, Paul. Après Iris, eh ben, ça va être mon tour. It's time to do. Ok, maintenant tu vas me dire tout ce que tu as vraiment vu hier soir. Ouais, t'es vraiment en colère. Non mais j'ai... Ça va, je te dis tout. Hein? C'est un peu trop facile. Bon bref, quel spectacle. J'ai jamais vu rien de pareil. Il était dans les 22h quand j'ai entendu le premier coup de tonnerre. Je dormais, je sais pas depuis combien de temps. Et soudain, zing, tout s'est transformé en toile blanche. Comme si je venais de recevoir une baffe de mon ancienne petite amie Naomi. Et ensuite... Et alors, tout cramait, le pont cramait. Le pont du néant a pris feu. Tu veux dire que tu l'as vu de tes propres yeux? Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la vérité, je te jure. Il reste encore 3 verrous psychés. Ça veut dire qu'ils tentent de cacher autre chose. Au fait, Paul, où étais-tu au moment où tout cela s'est produit? Où tu dis comment où? Qu'est-ce que tu veux dire par comment où? Concentre-toi, contente pas de répondre. J'étais dans la piole, près du grand hall. C'est évident, non? Comme d'habitude, tu es plus transparent qu'un verre d'eau. Le problème, j'imagine, vient de là. Comment là? Tu n'as pas pu voir la foudre frapper du pont du nord de ta chambre parce que... C'est pas là. Alors, faut peut-être que je montre le plan. Le plan. Bingo. Parce que ça... C'est un plan des environs. Regarde où se trouve le temple Asakura. Et cherche quoi? Je crois que c'est évident. Le grand hall est entouré d'arbres et il est impossible de voir le pont. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et ben, et non. Eh bien, qu'en dis-tu? De quoi? Tu te décides enfin à parler? Parler de quoi? Ça s'annonce plus difficile qu'à prévu, finalement. Tu me laisses pas le choix. Je vais devoir passer à l'étape suivante. Si tu n'étais pas dans ta chambre ou temple, alors où étais-tu? Tu sais pas où j'étais dans ma piole ou pas? Oh. Alors où était Paul et que faisait-il là-bas? Si j'ai correctement analysé la situation, la réponse saute aux yeux. Très bien, testons ma théorie. Lorsque tu avais la foudre frappée du pont néant, tu te trouvais... ici. Bon, admettons que la hitbox soit pas dégueulasse. Tu étais au hall divin quand tu as vu la foudre frapper le pont. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans cette vieille cabane? Il y avait un froid de canard, il y a pas le courant et la menace de s'effondrer. Paul, comment tu sais tout ça? Comment tu sais qu'il n'y a pas d'électricité si tu y es jamais allé à nuit tombée? Tu viens de confirmer la théorie. T'es rendu au hall divin après le coucher de soleil. Alors là, chapeau Benji. Nick peut s'accrocher, c'est clair. C'est gentil. Maintenant crache le morceau. Que faisais-tu dans cette petite cabane humide hier soir? J'étais à cause d'une affaire de corps. Tu veux dire une affaire de cœur? Tu attendais quelqu'un? Oh non! T'es vraiment un petit peu effrayant, tu sais. Je crois qu'hier t'avais rendu avec cette personne. Non, j'ai envie de dire que c'était évident. Il n'y avait qu'une personne que t'accepterais là-dedans dans un endroit pareil, Paul. Je te l'ai déjà dit, il ne m'appelle pas Paul. T'avais rendez-vous avec Iris. Ouais, je charme pour dans ce coup, Benji. Sans doute à cause de mon regard de glace. Alors je crois que j'en pense pour sœur Iris. Et tu as l'épreuve. Peut-être quoi prouver que je l'attendais? Ou peut-être que tu devines au hasard. Il est temps de mettre un terme à ce petit jeu ridicule. Voici la preuve que tu attendais bien, Iris. Tu étais le salaud qui a donné cette note à Iris.
La voilà ta preuve. Tu as donné rendez-vous avec une pitoyable lettre de chantage. Oh, et redonne-moi ça, tu me gênes là. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est sans importance. Je me suis trompé à ton sujet, Paul. Comment ça? Profiter de la vulnérabilité d'une femme comme ça? Tu devrais avoir honte. Et d'abord, pourquoi tu as écrit salutation ici en haut de ta lettre? C'était pourtant marqué dans le livre, le courrier pour les nuls. T'es pas censé recopier mot pour mot. Tu étais censé écrire cher Iris. Oh, pardon. C'était l'imitation la plus nulle du monde. Mais nous approchons de la fin. Je crois que c'est la fin. J'espère que c'est la fin parce que j'en ai marre. Donc la nuit du crime. À vous. Et tu avais faut frapper le pont du néant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais mon gars. Quoi? Quel secret tu parles? Espèce de boulet. Espèce de gros con, surtout. Ouais, gros con. Non. Bon. T'as vu quoi? Vite, j'en ai marre. Tu as dit quelle heure? Tu as vu le meurtre? J'en ai plein le cul. J'en ai marre. Ma vie c'est de la merde. Pourquoi? Il aura ça. Restons calme. Je suis calme. Je m'appelle Paul, je m'interpelle. J'en ai plein le cul de Paul. Je suis calme. Je suis très calme. Ma vie, c'est de la merde. La vie d'avocat de la défense, c'est pas toujours facile. Pourquoi vous faites ça, Capcom? Pourquoi vous me faites dans la difficulté? J'en ai marre. Bon, bref, récapitulons. Le secret d'Iris, elle est pas venue à cause d'une fausse lettre de chantage que Paul lui a donnée. Il a vu quelque chose d'autre, mais ça, on ne saura pas avant un moment. C'est drôle, Paul, hein, connard. Et puis on a appris plein de trucs, on a retrouvé le bâton, auquel il manque une boule.
Ouais, il manque une boule. Maya et Perle sont... Maya est encore dans le hall inférieur, Perle et a disparu, donc techniquement, peut-être potentiellement, au hall inférieur aussi avec Maya. Et puis voilà, c'est trop cool. Hunter va devoir aller défendre Iris. Et ça, c'est trop bien. Hein, la vie de... En fait, quand tu es avocat de la défense, ta vie, c'est de la merde. C'est tout. Surtout quand tu t'appelles Phoenix Wright ou Hunter. Bref, essayons de finir cet épisode joyeusement. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aimer la vidéo si c'est le cas, à la commenter. Si c'est la première vidéo que vous découvrez, à checker le contenu que je produis. Et si ça vous plaît, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonné avec la petite cloche. Et à me suivre sur Twitter, @zraus1. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.